Le ministre français des Affaires étrangères était en Angola ce jeudi, 5 ans après la visite de Nicolas Sarkozy à Luanda. Objectif, renforcer les liens économiques avec ce grand pays, lusophone, deuxième producteur de pétrole du continent. Laurent Fabius était accompagné d'une vingtaine de chefs d'entreprise. James André a suivi pour nous cette visite à Luanda. L'Angola est un partenaire de choix puisque ce pays a des revenus pétroliers énormes qui représentent 97% de ses revenus à l'exportation et dont la France se taille déjà une bonne part du gâteau puisque Total est le premier producteur de pétrole angolais. Le but aujourd'hui, eh bien, c'est de diversifier les partenariats. Il y avait 18 chefs d'entreprise avec Laurent Fabius aujourd'hui dans des domaines variés. Ils cherchent des partenariats notamment dans le domaine par exemple de la production d'eau potable, de l'assainissement, des énergies renouvelables ou encore de l'agroalimentaire. Mais c'est un chantier qui reste complexe puisque le pays est assez difficile d'accès pour les entrepreneurs français, notamment en raison des problèmes de visa. Et c'était l'un des points qui ont été soulevés par Laurent Fabius lorsqu'il a rencontré le président Dos Santos et également son homologue ministre des Affaires étrangères. L'un des principaux buts de ce voyage était de lever les barrières pour l'obtention de visa pour des expatriés français qui viendraient travailler ici, puisqu'en effet le visa de travail ne peut être accordé que pour un an. Il est difficile à obtenir.